Y a tout le monde et bienvenue, c'est Blue, on se retrouve pour l'épisode 34 de ce let's play de Monster Hunter 4 Ultimate. Nous avançons plutôt bien les quêtes 7 étoiles. La dernière fois nous avions fait un duo Gypseros Kongalala, ensuite un Céphadrome et enfin le Chassaton de Nercia. Ce coup-ci nous allons commencer avec un Chassaton et encore un Chassaton. Chassaton de Keshawasha. Alors livrer une grosse larme de bête en espérant en avoir une, nous verrons bien. Pfiou, j'abandonne, ce gros Keshawasha faisait genre ya, et l'autre faisait genre baya, quand j'ai perdu connaissance. Soyez prudents si vous vous lancez à leur poursuite, ils sont costauds. Ok, c'est parti alors. Alors Chassaton, Keshawasha, où est-ce que je démarre? En dessous moi? J'arrive! Oui, c'est exact, en dessous moi. Bon, alors comme vous voyez, j'ai toujours le katana en brachidios et je sais que je l'utilise encore une fois de plus, oh mon dieu. Au moins il a le mérite d'être vachement efficace et le problème c'est que je n'ai pas encore farmé pour pouvoir utiliser vraiment efficacement d'autres armes. Sinon je mettrais juste 3 plans pour les quêtes. Et puis voilà. Je devrais peut-être le marquer. Excellente idée mon cher Blue. Est-ce que tu veux le toucher? Ouais. Je veux bien. Sacré pistolet, ouais. Alors tu restes en haut. Je trouve qu'on est plutôt bien en bas pourtant. Pas bien. Bah si c'est comme ça je le monte. Allez. Salut. Bah. D'accord. Je vais essayer de mettre des baffes comme ça. Tranquille. Ah ça te plaît pas hein. Il a l'air plutôt grand, ou alors je le filme. Oh le boom. C'est pour ça que les armes de poisse quand même ça défonce. On s'approche le truc qui pète, ça fait tellement de dégâts. Hop. Il fait mal en fait. Je le trouve pas très sympathique. Soigne. Tu fais quoi en bas? Ah ouais, tu fais sniper. Franchement. Genre, je l'ai pas touché. Allez. En tout cas, j'espère que ça aura pas trop de vie. Que ça part n'importe où. T'es complètement excité. Yes. Au moins, je vais pouvoir faire ça. Hop, nickel. Aïe. Viens, viens. Qu'est-ce que c'est que ces esquives? Il est complètement fou ce mec. Sérieux? Non, je casse. Allez. Okay. Ah, tu ne te sens pas très bien, c'est ça. Est-ce que je vais arriver à l'avoir avant qu'il s'en aille? Peut-être que. Yes! Il tirait bien! Ouais, il est effectivement mort, bah on va passer au deuxième. Que... Oh, il est en dessous, c'est lui. Non, c'était un peu trop loin, ouais. Comment ça, j'ai des problèmes de distance? C'est pas vrai. Bon, bah. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Je pendouille. Alors je te regarde, je t'observe, ça me fait rigoler. Allez, voilà, me défonce. À côté de ce truc, est-ce que je peux tenter de sauter de là? Yes. J'aimerais bien sauter.
sauter dessus. C'est quand même chaud. Bon, je peux le faire venir par là, c'est pas grave. Effectivement. Tu veux? Ah mais là. Ça ne passera jamais. Je vais m'arroser comme ça. Sérieusement. Sérieusement. Je ne suis pas d'accord. Regarde-moi ce petit rebord là, franchement tu devrais venir par là, on est plutôt bien. Moyen. Ah non, non, encore un petit peu trop loin. Ah allez, pourquoi tu me fais ça? Tant pis, on trouvera bien le moment où il sera à côté. Et où j'aurai toute la joie de le faire. Aïe. Mais... non, ça passe pas. Hop. Yes. Quelle personne diabolique. Je grimpe de l'eau jusqu'à la fin. Ah, t'es pas content, hein? Bah, moi non plus. Hop, parfait. On n'est pas là pour déconner. Et ça fait boum. Et là, on fait un combat. Nickel. Voilà qui marche plutôt bien. Pas déjà. C'est bon, au moins il est marqué. Et le principal, il ne s'en va pas très loin. Ouais. Pistolet à eau. Ah. Allez. Touché. Merci, Bobby. Je suis pas content. Non. Et il saute partout, hein. Yes! Et ben nickel. Et voilà qui est fait. Prenons ce petit ticket pas chat. J'ai le droit à trouver des petits besoins gratuits, des petits marqueurs. Parfait. Et bien je pense que nous pouvons joyeusement mettre ce ticket. J'ai pas eu mal à ce bête. Mais quelle chasse a-t-on réussi? Un petit peu de composant caché, wesh. Ben nickel. Ok, je prends, de toute façon, oui, allez. Macalite, parfait. Normal plus 6, avec deux fentes. Est-ce que ça peut être intéressant pour éventuellement les fusées arbalètes? Peut-être. Morale 2, pas assez de morale. Pas de points, quoi? Plus grand contre plus grand, mais pas encore assez grand pour la taille d'or. Nous allons donc pouvoir enchaîner sur la prochaine quête qui sera normalement, j'espère, la dernière quête cette étoile. Le chasse-à-thon de Tetsukabra, livrer une grosse larme de crapaud. Nous ne retrouvons rien, on est des durs. Je peux trancher la roche comme un T-Rex. Tranche la peau d'un bobo. Mais face à deux Tetsu sur mon chantier, je ne fais pas le voie. Éliminez-les. D'accord, on y va de ce pas. Eh ben, au moins on commence à côté, ça c'est bien. Salut. Est-ce que la poisse c'est plutôt efficace contre lui? J'espère. C'est cool. Un peu plus. Ah, on va essayer de voir le plus possible pour croque le boum boum de la poisse. Aïe. Sérieux, il me touche quand même là? D'accord. Bon, l'avantage c'est que c'est un monstre relativement lent. Et il a des attaques quand même un peu chiantes. Allez. Qu'est-ce que je fais? Badaboum. Ça c'est ce qui est cool. Ça c'est juste maxi tu vas dire. Ah
Attends. C'est bon, j'ai eu le temps de placer mon coup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis collé au mur? Non. Ah. C'est bon. Allez, concours. Hop, hop. Deuxième. Ça fait mal quand même. Ça fait plutôt mal. Fuirez le terrain. Le terrain. Il pourrait me tuer le terrain là. Ce genre de bêtises. Oui, boostez-moi, petit chat. Pas de problème. Quand vous voulez. On va essayer de le faire un deuxième coup parce qu'il est juste à. Oh non! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il est à côté? Ça se fait. Yes! Et je l'ai pété un truc en premier. Par contre, je pense que. J'attends qu'il finisse de crever. Non! Excitation de Tetsu Kamara! Gratte le dos! Gratte, 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 gratte! Yes! Bien. Je gigote partout, oh mon dieu! Je me suis fait avoir! Bon, finalement je vais péter une défense. C'est plutôt sympa. Bon. D'accord. Pas de soucis. Oui. Je vais continuer à faire des petites attaques comme ça, pas de soucis. Grattage de dos. Tiens le tour. Ah ah. Eh bien ça ne va pas très bien en petit dessous. Sérieux? Waouh. Super. Ah, le deuxième arrive. Et nickel à côté de moi. Bah salut, je te marque aussi, hop. Allez, on fait des câlins, on fait des gros gros. Voilà, et oh. Un ennemi. Non, 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 non. Enfin, faudrait que je reste à chaque fois à la base de la queue pour justement éviter ce coup. Mais je l'ai passé en rouge. Eh ben ça me fait trembler jusque là. Tranquille. Allez. Ah mais il est à côté du rebord. Non. Là il est plus trop à côté là. Aïe mais il y a moyen. Toucher un coup. Là, oh là par contre il est juste trop loin. Pourquoi il va jusque là-bas? Sérieusement. Qu'est-ce qu'il fait? Il est possédé ce monstre. Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Hop. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Ah, presque. J'ai tapé le caillou ou j'ai rêvé là? Oh là! Tu t'as pas d'être bête? Non. Ça le fait pas tomber par contre quand on touche la queue comme ça. Oh! Non, fais pas le con! Tu veux dire, arrête pas de venir plutôt par là? Ah si. Ah, mais par contre, non, pas les coups possédés comme ça. Le tape partout! Natinov, ce n'est pas ça seul. Un Tetsugabra, bon genou. Purée, mais il est à fond. Sérieux? Pas très sympa, je trouve. Yes.
chemise. Aiguisoir. Blue, tu n'utilises toujours pas ta barbe à tuer rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, Blue? Eh oui, je sais. Je suis un petit peu un ouf. Un gueudin. Oh, shiny. Grosse lampe. Wait, c'est pas ce qu'il me faut là. Oh, ça va faire des petits points pas supplémentaires ça. Et ça, c'est bien. Bon, bah, va falloir que je me soigne. Je vais me passer ton petit caillou, par contre. Tu m'excuseras. Oh, le caillou. Je trouve qu'il se la pète quand même, avec sa mâchoire. J'aime pas ça. Quand c'est qu'il tombe autant, je suis très le perturbé. Il y a peut-être moyen, là. C'est sérieux, il fait tout le temps. Oh là là. Perte d'attention, lui il en profite. Ah non. Ah non, pas ça. Mais il est complètement possédé ce monstre. Allez. Non, il s'en va. Pourquoi tu t'en vas comme ça? Bon bah je te suis hein. Coucou c'est moi. Hop là. Et ouais, pas de problème. Je peux sauter de n'importe où, voyons. Je suis un ouf. Yeah. Peut-être même que je dois faire 5 coups sur lui quand même. Grattage de Tetsuo. Grattage de Tetsuo. Tetsuo qui tombe maintenant. Bam. Bon, il faut que je te casse joyeusement la gueule, voilà. Sérieux? Eh bah parfait. Technique du transportogène. Coffre bleu. Petit ticket passe au chat. Passe miaou. Et d'abord la grosse larme de crapaud. J'ai voulu. Poc. Yeah. Objectif secondaire complété. Et maintenant, l'objectif principal, voyons. Félicitations, mon cher Blue, c'est un succès! Ça peut être t'es dessus, cabaret! Alors. Composant. Ouais, non. Revendre. Pas point. Et donc on se retrouve à nouveau, et oh mon dieu, j'ai littéralement changé de stuff, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, je me suis fait une petite armure alliage S, donc en artilleur, puisque j'ai pris un fusil arbalète, le fusil arbalète en Ratian, que j'ai amélioré rapidement pour passer à rareté 3, 247, que j'ai mis un canon puissant, tout ça. L'armure, je l'ai améliorée avec les sphères d'armure plus, et il y a juste une partie où j'ai amélioré avec les sphères d'armure plus 2, une fois, voilà. Et puis à part ça, du coup ça me donne recharge mon puissant et un bonus sur les dégâts des plombs. Après mon grenaille level 1, c'est pas ce qui m'intéressait sur l'armure, mais je l'ai. Et donc écoutez, ça devrait être plutôt sympathique pour le moment ce qu'on va faire. Concernant l'inventaire, pareil, je me suis équipé comme il faut. Donc pour refaire des grenailles niveau 2, me refaire des fragments niveau 2, j'ai pris des bons flash, des bons sonic et plein de munitions. Plein de munitions en espérant que ça le fasse. Je vais sûrement utiliser les toxiques en premier, ensuite les grenailles, ensuite les fragmentations et après les munitions qui me restent. Bah voilà. J'espère ne pas avoir à les utiliser. Normalement, je devrais avoir assez de munitions. Du coup, prenons-nous cette petite quête qui est le Monoblos, compétition de skiff. Quelques nouvelles terribles! Un monoblos est apparu dans le désert. Même un pilote d'élite comme moi ne peut esquiver les charges de ce monstre. Il faut s'en occuper avant que mon skiff ne soit détruit. Brisez la corde, monoblos. On est parti! Oh, voilà le chasseur du jour! Hey, je croyais que c'était moi, le chasseur du jour. Je suis de aussi. Je sais bien. Revoyons encore une fois le plan de bataille. Le cadet et moi allons rejoindre le maître et l'évacuer des dunes aussi vite que possible. Pendant ce temps, vous devez distraire et chasser le monoblos pour nous permettre de filer.
Ne vous en faites pas, je veillerai à la sécurité de l'artilleuse et du maître. Tout sera parfait à l'ice. On dirait qu'il y a deux chasseurs du jour. Bon, en route pour le sauvetage. Ok, très bien. Alors, je vais prendre ma petite carte et on va se retrouver pour ce petit monoboss. Et c'est parti pour mon petit monoboss. Je vais monter quand même direct. Le marquis. Ah, attends. Je sais que je peux faire un truc. Voilà. Poc. Et bon, Sonic, il est mon flash. C'est cool. Poc. Ah, bah d'accord. Poc. J'espère qu'on l'emprisonne assez vite. Nickel. Hop. Alors, je vais en gagner. Je regarde un peu les attaques du monstre parce que je sais pas s'il a changé ou pas. C'est bien ça qui me fait peur. Est-ce que ça marche ça? Oh là non! Attention mon petit bleu, parce que là t'as vraiment pas beaucoup de défense, t'as à peine 100 de défense. Alors mon coco, joue pas au malin. Je vais faire le tir à court quand je serai sûr de pouvoir le faire. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, engueule. Engueulage. Pour que je puisse caler une petite bombe flash. Ah, j'aurais pu. J'aurais pu. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Retourne-toi. Normalement, voilà, ça passe. Mode tir accroupi. Et là, vas-y. Voilà, ça touche la tête, c'est exactement ce que je veux. Même si c'est pas la tête, je vais finir par la casser. Il a réussi à me toucher. Ah mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait une roulade. Je fais n'importe quoi, ça y est. MDR label bleu. Wow. Ah si, ça fonctionnait. Perturbant. On est reparti. Bon, là, le bon flash va durer moins longtemps. Ce qui est normal. Allez. Ah, mes chats qui vont suivre. Ça va m'aider, ça. Allez, c'est pas fini. C'est génial. On peut enchaîner les balles à une vitesse. Une flash. Ah, ça n'a pas fonctionné, il levait la tête. Bon, c'est chaud. Pas ça très sympathique. Bon là par contre les bombes Sonic ne marchent pas quand il est dans ce stade. Et on va le suivre du coup. Alors je me suis refait des munitions grenailles et je me suis soigné bien entendu. Est-ce que ça passe là? Yes. Parfait. Allez, on est reparti. Hop, hop. Alors j'espère qu'il va pas arriver à me toucher de là. Sinon je vais avoir beaucoup de tristesse. Ah ouais, puis il est bon, flash là. Voilà. Engage. Reprends ton truc, Blue, fais gaffe. Il est pas très très content. J'observe un peu.
tant que je peux. Est-ce que j'arriverai? Je suis quand même vachement tenté d'essayer de faire... Yes! D'essayer de le rôder au thé. Alors je vais essayer de viser de manière à toucher même les petits monstres parce que... Parce que s'il y a bien des casse-couilles, c'est ceux-là. Ah, je profite pour regagner plus vite. Je ne profiterai pas beaucoup. D'accord, ça ne m'a pas touché. Ah, bon, pareil, je le refais. Récupérer une balle, ça ne fait rien. Ah bah alors là oui, n'hésite pas à cibler autre chose. Moi, je suis preneur. Hein? Oh non, le... Oulala, j'ai peur parce que je sais que j'ai pas beaucoup de défense. On va y aller tranquille. J'aimerais bien qu'il passe sous le sol. Parce que vraiment, quand je peux mettre les bons soniques, c'est là où j'ai le plus de temps pour le frapper. Non. Ah bah alors là. J'ai peur parce que quand il est énervé, alors là c'est vraiment pire. Je sais qu'il peut vraiment one-shot très facilement. Voilà, dans ce genre de cas. Ça va. Je sais pas comment il réagit sous le sol, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Le stress. Dis-moi. C'est chaud. Je suis tenté de lui mettre ma dernière bombe flash. Il faut que je sois sûr de pouvoir la placer. J'aurais pu. Allez, regarde-moi. Non, ça passe pas. Et voilà, j'ai gâché ma dernière flash. Félicitations Blue, vous êtes plutôt un pro player de type nul. Tant pis, quand faut tirer. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Tu n'as pas l'air si énervé que ça finalement. Ah ouais. Purée, tu t'en vas loin. T'aurais pu t'enterrer depuis longtemps là, non? Bon bah je vais le suivre. Bonjour. Ah, tu t'enterres vite. Bon Sonic. Sérieux? Il rechange de zone? Ah non, pourtant non. Ok, t'es très un jeu. Hop, le petit rebord sur lequel. Il est la fatigue. Là, par contre, la bombe sonic elle va marcher là. Yes. Parfait. Avec un petit peu de chance, je vais pouvoir le rodéoter après. Pototoc, pototoc, pototoc. Nickel. Bon, moi je vais pouvoir vider la plupart de ce qui me reste. Il me reste encore un petit peu à refaire. Il est là. Alors, synthétiser. Hop, 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 hop. On se les fait pendant qu'on peut. Et voilà. Parfait. Alors tu me fais quoi? Je peux en remettre une normalement. Ou pas. D'accord. Que se passe-t-il? Ah ouais. Ah non, il est énervé. Non. C'est pas très gros gros, je trouve. Mais non, mais t'es pas sérieux là. Faut me laisser tranquille. J'ai rien fait à moi. Ah mais j'ai peut-être moyen, je crois. Oulala, non, ça marche pas du tout! Ouh, les dégâts! Ah!
Méga pression. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Tentative. Passé. Je sais pas combien de fois je dois lui faire, sachant que... Voilà, je suis au fusil arbalète et rodéo de ce monstre-là, je sais pas trop. J'attends de voir si après en avoir replacé une, ça passera. Ah, une énorme éthique. Arrête de courir partout, je sais pas moi. Yes, ça fonctionne. Alors, vas-y, excite-toi partout. Yes. Ah, je lui ai cassé un truc en plus. Parfait. Vite. Toc. Oh non, le céphalos derrière. Ah non, le Delex. Aïe, 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 le casse-couille. C'est pas vrai. Recharge-moi ça. Concentration. Mais par contre, pour le redéoter après, c'est mort. Tu veux pas t'enterrer? Si, entre nous, c'est plutôt bien, non? Je vais quand même les préparer au cas où, d'ailleurs. Ah, t'as l'air plutôt partant pour t'en aller, je me trompe. Oula, oui, vu là où tu vas. Au revoir, mon noble. Voilà. Salut. Par contre, je t'ai toujours pas marqué depuis le début. Voilà. On règle les problèmes de ce pas. Pourquoi je touche pas? Sérieusement. Toc toc toc. Ah. Et oui, c'est mieux quand il y a des balles. C'est vrai. Ah, je suis loin, non. Là, ça devrait passer. Parfait. Toc, patatac. Allez, on continue. Je vais pas tomber. Non, oublie-moi. Oh là là. J'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu de la chance. Est-ce qu'il va pas s'énerver ou pas? Attends. Yes. Et on est reparti. Tiens, trop belle. Et j'espère que ça te fait pas mal de dégâts. Il va pas s'énerver. Ah bah non. Une petite roulette suffit, vraiment. Je m'attendais tellement à me faire défoncer. Yes. Ça c'est bien ça. Ah non, il fait chaud. Céphalos, non. Je sais que t'es pas d'amis, mais non. Ah oui, d'accord, ok. Mais je disais, ça va tirer un petit peu plus haut, mais non. Pas exactement, non. Oulululul. Par contre, si je vais une par une, avec les fragments, ça va mettre 3 plombes. Sérieusement, mais please. Oh non. Ça va. Ça aurait pu être largement pire. Toutouk. Yes, décidément. Bon, j'ai pas le temps de refaire, mais... Ah non, mais il me charge celle-là, je vais la mettre sur les grenades. Niveau 1. Patatac, patatac. Aïe, mais c'est pas possible. Laissez-moi. Comment je ferai? Ah nickel. Oh, il boite, ça veut dire que ça fonctionne tout ça. Parfait. Nickel, nickel. Ah, je suis plutôt content. Ce n'était pas en vain. Alors, là, tu vas par là, ok. Monoblos. Est-ce que les pièges ça marche sur la...
J'ai une folle envie de tenter. Parce que si ça marche... Oh non, par contre, il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'il peut les péter. Et ça, il va pas gêner. Ah, ça fonctionne. Please! C'est pas vrai. J'ai pu tirer dans sa patte. Oh là là, j'ai failli rater, c'est pas vrai. Parfait. Regardez, c'est un monstre qui triche. Regardez, il flotte. Triche. Tricheur. Bon, bref, en tout cas, on a réussi. C'est plutôt pas mal. Cook, gemme. Cabaret. Carbalet. Curas Monobos. Ok. Et un Monobos. Et une cinématique. Commandant Elite, remercions les puissances divines d'avoir épargné votre vie. Ce sont justement ces puissances divines qui m'ont mis dans cette fâcheuse situation. Merci en tout cas de votre sollicitude. C'est un plaisir de vous voir, vous avez l'air en pleine forme. À vrai dire, je suis impressionné par votre sens du travail en équipe. Quand je suis tombé sur ce monobloc, j'ai cru que mon heure avait sonné. Chasseur, j'aimerais vous présenter mon mentor, lequel endossera les fonctions de maître des défenses de Dondorma. Il aura la responsabilité d'assurer la protection de la ville. C'est un homme qui impose le respect. Après tout, c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais. Oh, voici donc le chasseur qui a réglé son compte à ce monoblos. Bien. Non, cela ne m'étonne guère. Je vois en vous un grand talent. Oh, j'en oublie les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi, brave chasseur. Monsieur, j'ai demandé à ce chasseur d'assurer les missions et les quêtes en dehors de la ville, dans la mesure où les As ne doivent pas trop s'en éloigner. Les fortifications de la ville seront dans d'excellentes mains. Vous ne trouverez pas de chasseur plus digne de confiance. Ou de plus. De plus. De plus amical. Ah, amical ? Une nouvelle amitié serait-elle en train de naître ? Eh bien, c'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Merci à vous, chasseur, d'avoir subrisé sa carapace. Monsieur, je vous en prie, c'est très embarrassant. Pour changer de sujet, il y a justement quelque chose qui me tracasse. Jusqu'à ce que mon mentor atteigne les dunes, aucun rapport ne faisait état d'importantes activités de monstres. Comment se fait-il que le monoblos soit arrivé pile à ce moment-là? C'est une question très pertinente. Si j'en prends mon expérience, je privilégierai une réponse en particulier sur toutes les autres. Il est fortement possible que quelque chose l'ait poussé à quitter son habitat naturel, bouleversant ainsi l'écosystème. Je me demande d'ailleurs s'il ne s'agirait pas d'un autre. Oublions ça. Mettons cette théorie de côté pour le moment. Parlons un peu de ce dragon ancien. J'ai cru comprendre que nous devions faire face à un Kushaladara. Oui, et il faut que vous sachiez qu'il a une grande cicatrice qui lui traverse la gueule. Je vois, merci de m'en avoir parlé. Reste à savoir maintenant ce que nous allons faire. Un dragon ancien est une menace naturelle. Les hommes ne sont pas assez puissants pour empêcher la nature d'accomplir son rêve. Nous devons accepter notre sort et concentrer plutôt nos efforts à assurer la protection de la ville. Nous allons avoir besoin d'une arme défensive capable de repousser le coucher de la
Quelque chose de suffisamment puissant pour résister aux tempêtes qu'il est capable d'invoquer. Ceci doit être notre priorité, entendu ? Parfait. Je vais donc me mettre à travailler sur les plans de cette arme. Je compte solliciter l'aide des forgerons de votre caravane. Après tout, on raconte partout qu'ils forment une équipe de choc. Ce serait dommage de ne pas profiter de talents pareils. En attendant que je termine les plans de l'arme, j'apprécierai que vous continuez à aider les gens de la ville. Les habitants de Dundorma se sont tous attelés à fortifier la ville. Maintenant que j'y pense, cet homme à l'allure désabusée m'a confié qu'il avait un service urgent à vous demander. Il s'est réfugié à l'amphithéâtre. Cela vous dérangerait-il d'aller le voir ? Vous ne savez pas où c'est ? Il s'agit du bâtiment avec le rideau vert là-bas à droite. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez y aller. Merci à vous, chasseurs. Nous apprécions sincèrement tout ce que vous faites pour cette ville. Merci, merci. Quels sont nos derniers petits dialogues ? Ah, le carbone. Chasseur, voici l'amphithéâtre. La diva qui s'y trouve vous abreuvera de belles chansons, et il se charge aussi des inscriptions à l'arène. Ce type désabusé qui veut vous demander un service a décidé de s'y abriter jusqu'à nouvel ordre. Vous lui avez déjà parlé ? Eh ben, on va aller voir. Où ça ? Aventurier désabusé. Bonjour, chasseur. Vous avez été super face à ce monobloss. On dirait que le maître est arrivé sain et sauf. Je me lèverais bien pour vous remercier, mais je me demandais si je pouvais vous demander un autre service. J'ai un ami marchand qui voyage un peu partout à la recherche de matériaux pour reconstruire la ville. Malheureusement, l'une des routes les plus sûres pour traverser la mer de glace est bloquée par les glaces depuis peu. Il existe un autre chemin, mais un monstre campe au sommet. Je ne vois que deux solutions. Solution numéro 1, vous vous occupez du monstre au sommet de la route alternative. Solution numéro 2, vous utilisez une pierre explosive pour éliminer le barrage de glace sur la route habituelle. J'ai enregistré deux demandes auprès de Gilda, monstre surprise et mission explosive. C'est à vous de choisir, mon ami. Et moi, c'est à vous de choisir. Mon ami et moi, vous serions reconnaissants. Pio, toutes ces explications m'ont épuisé. Ok. Alors, nous avons le calvoyurien qui veut nous parler, et pas que. Chasseur, vous avez une seconde à m'accorder ? Cela vous dirait-il de multiplier votre nectar pour vos 15 sectes au marché d'Ondorma ? J'ai parlé à un marchand local avec lequel j'ai déjà fait affaire et les premières négociations se sont révélées fructueuses. Malheureusement, des monstres ont élu domicile en plein milieu de notre route commerciale. J'ai soumis à la guide une quête intitulée « Affrontement enneigé ». Si vous voulez du nectar, il va d'abord falloir nous débarrasser de ces monstres. Ça marche. Alors maintenant, il y a la jolie armurière. Vous savez, chasseur, vous êtes trop cool, trop courageux, trop, hein ? Vous croyez que je veux quelque chose ? Eh bien maintenant que vous le dites, je discutais avec la pioche de la forge et on a une super idée. Comme on est toutes les deux dans le milieu des arbres, on s'est dit qu'on devrait travailler ensemble. Alors on a décidé de s'associer pour créer le meilleur marteau du monde. La pioche de la forge a déjà imaginé un prototype de marteau en forme de baleine, super cool. Il ne nous manque que les matériaux pour le fabriquer. Et oui, vous avez deviné, chasseur, j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous chasser deux ratianes pour récupérer les matériaux qu'il nous faut ? Je ne fais confiance qu'à vous pour nous les rapporter en bon état. J'ai enregistré une quête auprès de Gilda. Elle s'appelle Reine Tueuse. Aidez notre rêve de marteau à se réaliser. Allez, et voilà, la chasseresse savante. Salut gamin, tout le monde chante vos louanges en ce moment. Vous voulez peut-être passer à la vitesse supérieure ? J'ai quelque chose pour vous, de nouvelles quêtes essentielles idéales pour un apprenti pro comme vous. Mais avant de vous révéler ce petit secret, vous devez me montrer ce dont vous êtes vraiment capable. Bon, voyons si vous êtes à l'auteur de Nuisible Primitif. Si vous réussissez, je vous dirai tout sur ces quêtes essentielles. Inutile de me remercier. Les pros ont le devoir d'aider les débutants. Alors, voyons voir ce qu'il en est auprès de Gilda. Qu'est-ce qui se passe ? Alors... Il n'y a pas de quête supplémentaire en 7 étoiles, nous passons donc vraiment aux 8 étoiles. Alors, monstre surprise, Ketsu, mission explosive, la pierre explosive, musique primitif, Yodrom Seltas, affrontement léger, la gombie Ketsu Gorona, nageoire recherchée, Zemtrios, et les reines tueuses, les Duratian. Très bien. Eh ben écoutez... Nous ferons ça à partir du prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu, comme d'habitude. Et sur ce, écoutez, on se retrouve pour le prochain, ça marche ? Allez, salut, salut tout le monde !